Yeah! Je compte tout à chaque fois que je suis fonché comme les hooligans. Excusez-moi, mais sous pont qu'on présentait, je suis le boogeyman. La nuit, je me cache sous le lit des enfants pour les terrifier. Et puis, je fais par exprès pour les faire crier. J'y terrorise, puis je les traumatise. Aussitôt, j'arrive en pleine nuit dans leur champ. Pendant qu'ils dorment en agrippant leurs jambes, je les pogne et je les sors de leur lit. Et je récolte l'énergie. Les enfants dégagent quand ils pleurent et trempent en leur regardant dans les yeux, en siphonnant leur âme. En ce moment, je regarde une petite fille pendant un cadeau. Elle sait pas que je suis dans sa chambre puis que je suis caché dans le placard. La porte est fermée, y'a aucune ouverture. Je la regarde au travers du trou de la serrure. Quand les enfants voient se cachant toute leur couverture. Ou tant que t'as couru en longeant toutes les murs de la pièce. Je vais toujours faire exprès lorsque je réveille les petites filles pour les effrayer pour qu'ils crient. Quand ils me voient pour voler leur énergie. Car je suis un vampire psychique. Mais tous les enfants pleurent la nuit quand je les visite. Dans leur chambre, lorsque je me cache dans l'ombre, je deviens presque invisible comme un fantôme. Toutes les enfants qui envoyaient mes griffes parce que j'ai des grands ongles. Je suis comme Freddy Krueger, j'incolte l'énergie que les enfants dégagent lorsqu'ils crient de douleur. La petite fille chez qui je me trouve crie depuis tout à l'heure. Et quand les enfants disent qu'ils m'ont vu à leurs parents, il n'y a aucun d'entre eux qui croit que c'est ça le plus marrant, étant donné que j'existe réellement. Je terrorise une petite fille jusqu'à temps que ses parents finissent par ouvrir la porte. Puis je disparais en même temps. Tout ce qu'ils voient, c'est leur petite fille assise en petite boule qui capote. On est encore la nuit, il est juste rendu 3 h. Je rentre dans une autre chambre, puis je terrorise sa sort. Puis son frère, je suis caché dans l'annonceur. Puis je fais en sorte que les enfants se mettent à mon port. De moi pour pouvoir leur prendre leur énergie, tandis qu'ils pleurent dans leur lit. En poussant des cris de frayeur, tous les enfants vivent l'horreur morte. Je leur fais penche, les force, ça me va garder des yeux pour les vider de leur force. Vitage, leur vole leur énergie en aspirant la lumière blanche qui sort dans leur torse. J'étais si bon sourire, mais j'adore lorsqu'ils se plaignent. La nuit, je me cache dans leur placard, je suis le croque mitaine. J'disparais lorsque les parents ouvrent la porte, puis je réapparais lorsque la ferme, parce que je suis le croque mitaine. Je m'arrange pour que les petits gars crient, puis rien, la chienne, en me voyant parce que je suis le croque mitaine. Les enfants pleurent, font des cauchemars. Lorsque je leur fais peur, je me cache dans le fond de leur placard. Si jamais je fais tout ça, c'est parce qu'ils me font de l'énergie. Si je me nourris pas, je crève. Genre, dès que c'est la nuit, puis je disparais chaque fois que le soleil se lève. Parce que la lumière serait assez fort pour qu'en plein jour, help me crame, je suis une créature de monde, je suis le boogeyman.